Ada, où est Ogona? Il est allé chercher quelque chose dans la voiture. Ok, d'accord. Alors es-tu allé à la cuisine? Il y a des trucs très appétissants dans la cuisine. Du risotto et de la faim. Je sais que t'adores la faim. Dis-moi, que veux-tu que je t'apporte? Alors tu veux dire qu'Ozo ne nous rejoindra pas une fois de plus? Ada, est-ce que tu essayes de dire? C'est juste, est-ce qu'on pourrait en parler plus tard? Passons d'abord à table, ok? Il y a à manger. Ma femme sera bientôt de retour, alors du calme. Je te fais un truc rapide, ok? Je sais que t'adores la faim. La faim, c'est ça? Ah, ok, je demanderai à Hugo. Je t'apporte d'abord de la faim. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est ouvert! Ada? Qui a-t-il? C'est ainsi que Zo rentre tard? Non. Vraiment? Elle a juste dû avoir beaucoup de travail au boulot, c'est tout. Elle sera bientôt là. Dans mon bureau, tout de suite. Madame, c'est truffé de fautes. Oh, ok, je le corrigerai après votre édition, madame. Amaka, depuis combien de temps est-ce que tu travailles avec nous? 17 mois, madame. 17 mois. Et pourtant, tu ne sais pas rédiger un simple communiqué de presse. Et je dois continuer à veiller sur ton travail par-dessus mon épaule. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour obtenir le compte de Secret Energy? 8 mois. 8 mois à force d'aller et de venir. Donc, tu vois ce lancement? Il doit être parfait. Pas d'erreur de frappe et pas de faute. Envoie une version révisée aux journalistes avant 8 heures demain matin. Sinon, pas la peine de venir. Oui, d'accord, madame. Comme c'est épuisant, ce... Non, mais... Ça devrait plutôt être ça. Voilà, c'est parfait. Ah, ah. Oh, merde, c'est pas vrai. Oh... Thank you.
Bébé, je sais que j'ai merdé. J'ai merdé. Mon téléphone était sous silencieux pendant la réunion. Et j'ai oublié de l'enlever après. Bébé, j'ai complètement oublié. Je suis tellement désolée. Je t'ai appelé au moins 20 fois. 20 putains de fois! Je sais, je sais. Je n'ai pas entendu. Il était sous silencieux. Ouais. Tu as oublié que tu avais une vie en dehors de ton travail comme d'habitude. Sais-tu combien de fois j'ai dû ignorer les questions de ma sœur et de son mari, me demandant pourquoi est-ce que ma femme n'était pas à la maison à 21h ? Eh bien, nous ne pouvons pas tous naître enfants de riches. Certains d'entre nous ont des responsabilités. Ceci est ridicule. Je sais qu'Adaito, vous ne vous entendez pas, mais je t'ai demandé, je t'ai parlé de ça, et tu m'as promis que tu serais à la maison. Tu m'as dit que tu serais bébé, là, à l'heure. J'ai oublié. J'ai oublié. Et je me suis déjà excusée pour ça, non ? J'ai complètement perdu la notion du temps. Désolée. Na, je t'en prie, pardonne-moi. Laisse-moi au moins me rattraper. Je vais bien, c'est bon. Bébé, laisse-moi t'emmener à l'étage et te masser le corps. Ce dîner n'a pas dû être facile. Pour ta sœur, je sais. Je te toucherai comme tu aimes. Non, je vais bien. Allez, viens. Permets-moi au moins de me rattraper, d'accord? Arrête. Bébé, viens. Je vais te faire un bon massage. Allez, massage. Un massage spécial que tu apprécieras. Non, je veux pas de massage. Tu verras, je t'assure, tu adoreras. Non, ça ne m'intéresse pas. Oh, si, j'ai ton temps. Non, je veux pas. Bébé! Je t'en prie, allons-y. Viens, je vais m'occuper de toi. Je ne veux pas de massage. Reste juste tranquille, chut. On dirait que tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tout semble aller bien pour vous deux. Si tout va bien, alors pourquoi ma femme n'est-elle pas enceinte? Ok. Permettez-moi de vous expliquer. Il y a plusieurs choses qui causent des retards de conception dans le mariage. Et vous venez de commencer il y a seulement un an. Parfois, ça prend plus de temps que ça, vous savez. Alors, que disent ou montrent exactement les résultats du test? Les résultats ici montrent un niveau très élevé de cortisol, qui est encore connu comme l'hormone de stress. Permettez-moi de vous demander si vous êtes stressé, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs. Oui, docteur, le travail de ma femme est assez exigeant. Dans ce cas, nous devons élaborer une nouvelle stratégie pour gérer ce stress. Et je pense qu'elle a besoin d'un nouveau régime alimentaire. Vous devez changer votre nutrition. Sur ce, je vais donc vous recommander un nutritionniste qui s'occupera de vous. Et je vous conseille aussi de prendre quelques temps de congé. Allez dans un endroit calme, en vacances, bref, n'importe où. Pour gérer votre stress, en gros, vous avez besoin de repos. Même si ce n'est que pour quelques jours. Nous le ferons, docteur. Soyez en sûr, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Tu me stresses. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé travailler malgré tout ce que le médecin a dit. Et tu l'as aussi fait. Mais ce n'est pas moi qui suis trop stressée pour tomber enceinte. Ah. Ce n'est pas juste. C'est vraiment injuste. J'ai passé 7 longues années à travailler stratégiquement pour devenir partenaire. Et maintenant que je suis si prêt, je ne peux pas sacrifier ou alors tout abandonner pour... Pour la famille? Ta propre famille? Notre famille? Ne fais pas ça. Il ne s'agit pas de ça. J'ai aussi des responsabilités envers ma famille. Ma sœur poursuit encore ses études. La famille d'où tu viens est-elle plus importante que notre famille? La famille que nous essayons de construire? Tu n'y as même pas déjà la tête! Tu te méprends, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ce que tu penses. Réfléchis. Pense à la fierté qu'éprouverait mon père si je parvenais à devenir partenaire. Après tant d'efforts, ce qui n'est pas en vain. Je sais qu'il sera encore plus fier quand tu... Si tu construis votre maison familiale ou si tu donnes de l'argent à ton frère pour qu'il démarre un business, ou que tu rénoves votre maison familiale, ou que tu donnes plus d'argent à ta sœur, ou à ton oncle, ou à ta tante, ou à n'importe qui. Quand est-ce que ça finira? Ça s'arrêtera quand tu cesseras de me stresser. Je suis à bout. Je suis presque à bout. Mon cœur. Non, je n'en peux plus. Écoute. Je suis vraiment désolé pour une partie des choses que je t'ai dites. C'est juste que... C'est dur, c'est très dur. Et je ne sais pas quoi faire, c'est si dur. Mais tu ne comprends pas du tout. Ma famille n'est pas comme la tienne. Il n'y a personne pour nous donner une grande vie de luxe comme la vôtre. Pour chaque centime dépensé pour mes études, ma famille a dû sacrifier quelque chose. Mais ce que je pense, les gens comme toi ne peuvent pas le comprendre. Il est grand temps que tu ailles voir le pasteur Nonso pour des prières. Non, merci, maman. Tu sais que mon mari ne croit pas du tout en ce genre de choses et... Donc, voir des gens pour des prières, ça ne marchera pas. Alors viens à la maison. Toi et moi pourrons aller voir le pasteur sans lui. Ah. Maman, je ne peux pas me lever juste comme ça pour aller à Badakwe. Pourquoi pas? Ah, maman, j'ai du travail. Et ce... Oh, vraiment? Qu'as-tu dit? Maman, Namdi et moi sommes allés voir le médecin. Et il nous a dit que tout allait bien. Oui, il a dit que je vais parfaitement bien. Il a dit qu'il va parfaitement bien, qu'il n'y a absolument rien qui cloche chez nous. Donc, si le médecin dit que vous allez bien, alors qu'est-ce qui t'empêche de concevoir? C'est pourquoi je te suggère de voir un pasteur. Il a parlé du stress et la façon dont le stress peut rendre les choses difficiles. En fait, le stress est la raison. Alors tu es stressée? Maman, je ne saurais mentir. Tu me connais déjà. Depuis que je suis toute petite, je me fixe des objectifs et je veux à tout prix les atteindre. Rien ne me fera plus plaisir que d'y arriver. Donc, si un petit stress survient maintenant, alors c'est bon. L'enfant peut attendre. Et dès que tu rentres, tu fais toujours ton devoir. N'est-ce pas là déjà trop de stress? Tu devrais avoir une ménagère. Une ménagère? Maman, je n'aime pas du tout qu'il y ait des étrangers chez moi, je t'en prie. Mais pourquoi pas? Au moins, elle te soulagera dans ton stress. Ta sœur est à la maison depuis des mois maintenant à cause de la grève. Izioma? Maman, tu veux dire que la grève est toujours en cours? Oui, elle a appris une ou deux choses à la maison. Mais elle peut te rejoindre sur l'île en attendant la fin de la grève. Donc, maman, tu veux me soulager de mon stress en ajoutant le tien? Elle ne fait rien pour moi ici. Alors, tu peux la voir, je vais l'informer. Pour qu'elle puisse s'apprêter, je suis certaine qu'elle va apprécier l'idée. D'accord, maman, pas de problème. Tu as gagné, maman, c'est d'accord. Je vais aussi avoir une conversation avec elle. Peut-être lui parler d'une ou deux choses qu'elle pourra faire pendant qu'elle sera ici. En attendant, demande un congé à ton travail et pars en voyage dans un endroit paisible, comme l'a conseillé le médecin. Je parlerai à Nam par rapport au fait qu'Izioma viendra chez nous, maman. Une chose d'abord. Izioma. Oui, grande sœur. Ah. Ok, chérie, je t'attends dans la voiture. Ok. Ok, merci.
Yuzuma, j'ai une liste de courses que j'aimerais que tu fasses. Je vais te les envoyer par SMS. D'accord. Je vais également t'envoyer de l'argent pour que... Ok, essaie de le faire à temps, s'il te plaît. Ok, grande sœur, mon ami voudrait... Je t'en prie pas maintenant, je suis en retard. Nous en reparlerons quand je rentrerai, promis. Le repas était vraiment très délicieux. J'ai vraiment... Merci, mon oncle. Merci à toi. Merci. De rien. Grande sœur, par rapport à ce dont je voulais te parler... Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Oui, l'un de mes amis a lancé une marque de vêtements. C'est fantastique. Il voudrait lancer sa propre marque de vêtements. C'est génial, je veux dire, c'est vraiment beau de voir des jeunes s'épanouir malgré tout ce qui se passe dans ce pays. Je suis fier de lui, dis-lui qu'il est déjà un fan. Merci. Alors, grande sœur, il fait une séance de photos demain et il veut que je sois mannequin pour certains vêtements. C'est curieux. Grande sœur. Cool. Oui, oui. C'est vraiment très cool. Désolée. Quelle séance de photo encore? Grande sœur, c'est pour mon ami Justin. Il veut faire une séance photo aujourd'hui et il veut que je sois mannequin de vêtements. Ezioma, quand es-tu arrivée ici pour vouloir faire du mannequinat pour quelqu'un? N'as-tu pas entendu de sales histoires à propos des gens qui... de cette industrie en particulier? Grande sœur, c'est juste pour un ami. Ma chérie, tu es venue ici pour m'aider et non pour galoper dans toute la ville et faire des shootings. Mais grande sœur, je te l'ai dit. Non, tu ne l'as pas fait. Je ne sais rien à propos de ça. Si, en fait, elle l'a fait, chérie. Hier, juste après le dîner, elle te l'a dit. Mais je suppose que t'étais trop occupée pour l'écouter. Et si c'est juste pour quelques heures, je pense qu'elle devrait y aller. Ce n'est pas grand-chose. Merci. Bébé. Chérie. Ezioma est jeune. Et... elle est un peu naïve. Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un profite d'elle. Récemment, tu as lu ces histoires sur les photographes, non? Izzy, en fait, ta sœur a raison. Tu dois nous donner des détails sur la personne que tu vas voir, cette amie dont tu as parlé. Ok. Et le chauffeur t'y emmènera après m'avoir déposé au travail, pour être sûr que tu es en sécurité. Merci, grand frère. Je t'en prie. Merci. Assure-toi que le blanchisseur ait ramené mes vêtements avant que je ne rentre. Ok, grande sœur. Ok, c'est bon. On y va, madame? Bien sûr. Sérieux? Dois-je lui dire que tu es intéressée? Je vais dire, d'après ce que je vois, elle a vraiment envie de travailler avec toi. Ah, tu sais que je ne peux pas dire oui tant que je n'ai pas parlé à ma grande sœur. Est-ce qu'elle t'empêche vraiment? Oh. Écoute, Ezioma, c'est une opportunité pour toi de te faire de l'argent pendant que cette grève persiste. Je le sais bien. Ou alors tu veux rester à la maison et dépendre de ta sœur. Pense-y. Mon cher, ce n'est pas comme ça que ma grande sœur pense. Elle veut juste que je reste à la maison, laver, faire le ménage, les courses. Genre, voici ses propos. Elle dit, « Quand es-tu arrivée sur l'île? Sais-tu ce qui arrive dans cet indiscret? C'est, mon Dieu, c'est agaçant. Vraiment. » Je sais, je comprends. Elle essaie de protéger sa petite sœur chérie. Oh, comme si je n'étais pas assez grande. S'il te plaît. Tu le penses? Bien sûr, je le sais. Est-ce là le mari de ta sœur? Ouais. Oh, il est vraiment beau. Je sais. Eh bien, je ne suis pas surpris de voir que vous avez toutes les deux l'œil pour des beaux mecs. C'est pour ça que tu es venue vers moi.
Mon Dieu, aie pitié de moi. Alors, si on demande au million garçon de sortir, tu vas sortir aussi, n'est-ce pas? Ah ah. Dans ta tête, dans ta petite tête, tu penses que tu es beau, c'est ça? Mais tu sais que je ne mens pas. S'il te plaît. Sais-tu à qui tu parles? Je suis un mec très beau. Mais tu sais aussi que si je n'étais pas attirant, tu n'allais pas me choisir en tant qu'ami. Mon frère, vraiment, tu es venu vers moi. Uh-huh. Je t'ai regardé et je me suis dit, donnons une chance à ce gars. Aide son ministère. Je t'ai fait une grande faveur. Tu me fais quoi? Oui. Tu me fais une faveur? Non. S'il te plaît. Je sais que si je n'étais pas aussi séduisante, tu ne m'aurais pas choisi en tant qu'ami. Va au faux. Ouais. Tu marques un point. Parce que si tu n'étais pas beau. Mais tu es un peu beau. Un peu. Mm-hmm. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas mon genre. Tu fais quoi? J'essaie de mettre de l'ordre. Quand est-ce que tu vas te coucher? Bientôt. Je veux juste finir avec tout ceci. Car nous avons réunion demain matin sur le lancement du Secret Energy, donc il faut que ce soit bien fait. Il est presque minuit. À mon avis, tu devrais venir te coucher et te reposer. Tu peux te réveiller très tôt et le faire avant d'aller au travail. Bébé, je serai stressée, je serai dérangée et je ne trouverai pas le sommeil. Et tu sais que je ne suis pas censée être stressée. Ok. Mm-hmm. D'accord. C'est comme tu veux. Pas de problème. Je te rejoins tout à l'heure. Promis. D'accord. Je vais me coucher, d'accord? D'accord. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, bébé. Alors, si c'est le cas, ça pourrait être... Peut-être... Ok, c'est bon. C'est ça. Mon cœur. Est-ce que tout va bien, bébé? Je suis désolé. Ça va. C'est pas grave. Pourquoi?
Pourquoi? Bébé. Pourquoi? Je suis là. On va réussir. Je ne sais pas pourquoi. On va réussir. Ça va aller. Ça ira. Je suis désolée. Vraiment désolée. Ça va aller. Pourquoi? Pourquoi tout ça m'arrive? Ça va. Oh, est-ce que c'est? Ozo? Ah! Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ozo, je dois vraiment saluer votre résilience. Vous vous êtes bien débrouillé dans l'affaire Secret. Le patron est vraiment impressionné. Merci. Je suis vraiment heureuse de savoir que le patron l'ait apprécié. Oui, comme vous le savez, M. Tani va bientôt prendre sa retraite. Et nous avons besoin d'un remplaçant pour occuper le poste. Ok. Eh bien, c'est entièrement au conseil d'administration de décider. Mais je veux que vous sachiez que vos chances sont élevées. Bien qu'il y ait des candidats qui se battent pour le même poste. Mais ne perdez pas de vue l'objectif, d'accord? Oui, madame. Nous avons juste un client de plus à conquérir. Juste une affaire de plus à conclure. Alors ne soyez pas discrète. Oui, madame, je suis prête à quoi que ce soit, madame. Bien, bien. Merci, madame. Vous y parviendrez, Ozo. Oui, vous y parviendrez, d'accord? Bébé, tu ne croiras pas ce qui s'est passé ici. Je veux dire, c'est bien, mais c'est mauvais, mais c'est... J'ai tellement de choses à faire. Une minute. Entrez. Oui, bébé, ce que je veux dire, c'est que... Il y a un paquet pour vous, madame. Signe-le et apporte-le ici, s'il te plaît. D'accord, madame. Merci. Je veux dire, c'est bien, c'est super. Genre, j'ai toujours voulu être partenaire, mais là maintenant, j'ai plein de dossiers à traiter qui sont déjà sur ma table. Je suis débordée. Le voici, madame. Merci. Mon amour. Ah, tu penses que tu es très malin? Honnêtement, c'est tellement aimable de ta part. Je veux juste que tu sois heureuse. Bébé, je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Tu sais toujours exactement quoi faire. Toujours. Ici, as-tu fait la vaisselle? Je le ferai, avant d'aller me coucher. Je n'aime pas la vaisselle sale dans mon évier, oh. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, j'ai eu un nouveau travail aujourd'hui. Une styliste est appelée et elle veut que je sois son mannequin. Mais elle payera 20 000. Et tu veux le faire? À cause de 20 000.
Est-ce que je ne te donne pas plus que ça? Mensuellement? Tu le fais. Et j'apprécie vraiment. Mais je veux travailler de l'argent par moi-même. Isioma, tu le feras. Ce moment viendra. Quand tu auras ton diplôme. Bien sûr, je suis diplômée. Si tu l'es. Vu la grève qui se déroule en ce moment, il se pourrait qu'elle dure jusqu'à l'année prochaine et tous mes amis font quelque chose d'utile et gagnent de l'argent. J'essaye de comprendre. Si c'est que tu es naïve ou alors simplement extrêmement ingrate. Je ne comprends pas. Tu vis dans une grande et belle maison à Lagos. Tu manges gratuitement. Il y a de l'électricité en permanence. Tu as tout ce que tu veux. Et je te donne 50 000 naira par mois. Alors, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que tu veux plutôt me stresser? Grande sœur, j'apprécie tout ceci. Je l'apprécie vraiment. Mais sérieusement, c'est injuste. Genre, tous les jours, oncle et toi allez au travail, je reste seule à la maison à ne rien faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller au marché, faire les courses et nettoyer. Je veux vraiment faire quelque chose. Isioma, tu n'iras pas chez un styliste. Et point final. La vaisselle. Grande sœur. La vaisselle. S'il te plaît, tiens ceci, d'accord? Ouais. Parfait. Alors, souris. Encore? Mettez sa mèche en place. Ok. Bien. Oui. Arrangez celle sur l'épaule. Ok. Oui. Changez de pose. Musique. Bien. Souriez. Bien. Parfait. Là, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Elle sait qui? Oh mon Dieu. Isioma. Non. Mais que signifie tout ceci? C'est saccagé partout. Mes tableaux qui m'ont coûté 20 millions de naira sur la table. Mes meubles italiens, qu'est-ce que... Isioma, qu'est-ce que signifie tout ceci? Vous êtes encore là? Franchement, c'était totalement déplacé. Je dirais, elle a juste invité des amis à la maison pour une séance photo. Tu ne la laisses même pas sortir. Elle a 19 ans et elle amène déjà des hommes dans cette maison. Oh, je t'en prie, elle n'a pas emmené d'hommes dans cette maison. Elle a juste invité des amis, et ils ne faisaient rien de mal. Je suis certain que t'as fait bien pire à 19 ans. Isioma est ici pour me soulager du stress, et non pour ajouter encore plus de stress. Oh bébé, sois honnête, elle ne te stresse en rien, mais elle est très, très utile. Tu as bien plus de temps libre maintenant, depuis qu'elle est là. Je pense que, je préférerais que tu restes en dehors de ça. Ouais, je vais rester en dehors. Mais je te promets que je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder maltraiter ta sœur. J'ai promis à ton père de prendre soin d'elle également. J'espère que tu n'as pas oublié le dîner d'affaires avec Chief et Madame Ibe. Ça aura lieu samedi chez Ada. Oui. J'espère que tu viendras. J'ai même acheté une nouvelle robe pour ça, ne t'inquiète pas. Ok, super. Je voulais juste me rassurer que tu n'auras pas de programme de dernière minute, c'est tout. J'ai un conseil d'administration ce jour-là. À midi, oui, mais je devrais avoir fini avant. J'ai même oublié de mentionner. L'entreprise cherche à me confier le poste de partenaire. Super. C'est vraiment bien. Oui, ma patronne est très à cheval là-dessus.
Il y a un client de plus à faire venir. Je pourrais peut-être le faire. Mm-hmm. C'est super, d'accord. Oui. C'est bien. Félicitations. Merci, bébé. Allez, viens te coucher. Ok. Allô? Où est-ce que tu étais? Je t'ai déjà appelé plusieurs fois. Désolée, je viens juste de finir avec la réunion du conseil. Qu'y a-t-il? Je suis en train de m'apprêter. Où es-tu? Ah. Bébé, je sais que tu n'aimerais pas entendre ça, mais il se peut que je reste ici un peu plus longtemps. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Je suis l'un des responsables. J'essaie de m'y rendre pour voir mon patron. J'essaie de gagner du temps. Mais tu aurais dû m'en parler plus tôt. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. Je n'aime pas cette façon que tu as de faire les choses. Chief Ibi et sa femme seront là. Ada et Hugo seront là aussi. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois l'intrus? Je ne sais pas. J'essaie de lui parler. J'aurais dû m'en douter. Il se passe toujours quelque chose quand il s'agit de toi. Mais ce n'est pas le cas. Et si je finissais très vite et que... Es-tu une minute? Qu'en est-il d'Izioma? Quel rapport avec Izioma? Elle pourrait être ta cavalière. Elle peut porter l'une de mes robes. De quoi est-ce que tu parles? Izioma est ta petite sœur. Tu ne peux pas faire d'elle ma cavalière. Oui, et c'est aussi ta sœur, pas vrai? Oui, ça peut marcher. Ce qui est bien, c'est qu'Israël a ce truc qui s'appelle mon pote. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Bonsoir, monsieur. Heureux de vous voir. Bonsoir, monsieur. Pourquoi cette mise? Je suis très heureux de vous voir. Ça faisait longtemps. Bonsoir, monsieur. Ouais. Merci. Uzoma est probablement en train d'essayer de conclure un accord. Vraiment? Oh, tu connais Izioma, n'est-ce pas? Bonsoir, madame. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu ressembles tellement à ta sœur, mais la différence est claire. Mais, hey, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas contente. Mmh, tu devrais pourtant. Où c'est le est moment ta femme? Arrête de t'inquiéter pour ma femme. Izzy, je pense qu'il est temps de boire un verre. Et donc, ce que nous proposons pour votre nouveau compte afin de s'assurer que tout est. Vous êtes là. Madame, c'est... Où est Monsieur Jonathan? Est-il déjà prêt à ce que je lui parle? Non, il est déjà parti. Il était un peu pressé. Je pense qu'il va à Abuja. Abuja est ce qu'il a mentionné. Oui. J'étais là à l'attendre. Et j'ai beaucoup de belles idées et j'ai préparé une présentation dont je suis certaine qu'il lui plaira et qu'il emmènera à bord, mais... Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Il a envoyé une invitation. Okay. Il a dit qu'il va à Abuja et qu'il ne reviendra pas de sitôt. Oh, wow. Alors, je pense que je vais devoir vous envoyer à Abuja pour une réunion d'urgence. Abuja, vous dites? Oui. Nous avons besoin d'avoir Jonathan et son équipe de notre côté. Hmm. Et vous êtes la seule qui, je pense, peut y arriver. Ok, je... Uzuma, c'est quelque chose que je pense que vous pouvez faire. Mais c'est bon si vous pensez que vous ne serez pas capable de... Oh non, bien sûr, madame. Je suis à la hauteur de la tâche. Je le rencontrerai à Abuja. Bien. Merci. Ah. Je n'espérais pas ça pour le moment, mais que vais-je faire? Je savais pas que tu pouvais danser comme ça. J'adore danser. Vraiment? Ouais. Tu danses bien. Merci. De rien. Bébé, la voiture qui m'emmène à l'aéroport est tout près. Dès que j'aurai rencontré cet homme, je prendrai le prochain vol de retour, je promets. S'il te plaît, Nam. Je ne voudrais pas quitter la maison te sachant dans cette humeur. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Je te souhaite le meilleur. Je t'aime. Au revoir, mon amour. Je suis désolé, je ne savais pas que t'étais une...
J'avais un souci avec le lait. Bref, je suis désolé. Grande sœur est-elle en route? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Elle sera un peu en retard. J'ai tellement faim, je ne peux pas l'attendre. Ok. Bon appétit. Et toi alors? Tu ne manges pas? Je pense que je vais devoir l'attendre. L'attendre? Oui. Si j'étais toi, je prendrais ma nourriture et je la mangerais. D'accord donc. Ouais, vas-y. On ne sait pas à quelle heure elle rentrera. C'est tellement bon. Oui, la réunion s'est super bien passée. Super. Ah, Nam. Es-tu toujours en colère contre moi? Je suis pas en colère. Je réfléchis juste, je m'interroge, c'est tout. Ah ah. À propos de quoi? À propos de non. À propos de quand tu voudras enfin que nous fondions une famille. Cela fait 3 ans de mariage. 3 années entières, tu as dit que tu voulais attendre 2 ans avant que nous ne fondions une famille. Maintenant, ça fait plus de 3 ans. Et tu ne t'es toujours pas décidé. Et j'attends toujours. Je veux fonder une famille. Je veux un enfant. Bébé, nous en avons déjà parlé. Plusieurs fois. Et je ne vois pas pourquoi je devrais faire des compromis. Je suis littéralement si près. Si près de devenir partenaire. Et après ça, tout ira bien, je te promets. Bien. Donc le travail passe avant la famille. Arrête de dire ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que tu veux dire. Écoute, mon cœur. Je suis le seul garçon de ma famille. Il est de mon devoir de perpétuer le nom de ma famille. C'est ma responsabilité. Bébé. Écoute. Tout ce que je dis... Tout ce que je demande, mon amour, c'est juste un peu plus de temps et de patience. Je te promets qu'une fois que je serai associée, tout rentrera dans l'ordre et je pourrai alors choisir mon temps libre et nous pourrons travailler là-dessus. Ok. Ouais, c'est bon, je vais marcher un peu pour m'évader. Je rentre bientôt. Merde. Honnêtement, ce gars est trop gentil. Peux-tu croire qu'il m'a trouvé un emploi de créateur de contenu pour l'un des amis de sa sœur? Vraiment? Ouais. Et ta sœur t'a permis d'accepter le job? Oui, c'est en fait un job à distance. Et c'est une grande marque. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un contenu et je serai payée pour chaque contenu que je fais. Waouh. C'est vraiment génial. Je le sais bien. C'est vraiment attentionné de sa part. C'est gentil. Je sais. Mais parfois, j'aimerais bien. Que ta sœur n'entende pas ces absurdités que tu t'apprêtes à déverser. Ça ne sera vraiment pas drôle. Ça, c'est son problème. Parce que si elle n'arrive pas à apprécier ce qu'elle a, alors c'est son problème. Tu devrais apprécier ce que tu as. Ok, peu importe. Oh. Comment s'est passé le match? C'était vraiment sympa. Je sais. Tu devrais vraiment venir avec moi la prochaine fois. D'accord, nous le ferons ensemble. Ouais. Oh. Oh, tu as quelque part où aller? Ou alors tu t'ennuies déjà de moi? Tu veux vraiment que je dise quelque chose? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait la cuisine. Tu veux manger? Qu'as-tu cuisiné? Devine. Du riz? Du riz frit. Ah, non.
extrême. Non, je blague. Ça me plairait. Ouais, ok. Je pense que je devrais partir. Mais pourquoi? Je vais m'ennuyer. Oh. S'il te plaît, reste. Ok, juste habille-toi pour qu'on puisse sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu connais ma sœur, je peux pas quitter la maison. Merde. C'est vraiment faux. Non. Je vais aller au centre commercial. Tu veux venir avec moi? À quelle heure? Vers 18h. Non. J'ai tout un tas de choses à faire. D'ailleurs, tu n'es même pas fan de moi, donc pourquoi devrais-je? De toute façon, je le ferai. Merci. D'accord, alors, tu vas te changer? J'espère que tu sais que boire jusqu'à l'épuisement n'est pas une solution, Nandi. Que veux-tu que je fasse? Non, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Je lui ai parlé, je l'ai même presque supplié. J'ai même proposé de lui verser une portion. Mais elle ne veut toujours pas m'écouter. Tu sais, Nandi, la plupart du temps, je me demande qui est le patron. Oh, l'amour de Dieu, tu es le chef de famille et ta femme devrait t'écouter et non se comporter autrement. Tu ne comprends pas. Kuzuma est têtue. Alors fais ce qu'il faut pour qu'elle se soumette. Allez. Attends. J'espère qu'elle n'a pas une relation extra-conjugale. Pardon? Uzuma ne ferait jamais un truc comme ça, jamais de la vie, elle ne me trahirait. Le problème est qu'elle est... Elle est juste beaucoup trop obsédée par l'idée de devenir partenaire. Vraiment? C'est exactement ça, oui. Elle ne comprend pas, il faut que je lui fasse comprendre qu'avoir un enfant, avoir un bébé, est au moins aussi important que de devenir partenaire. Eh bien... Bonne chance pour ça. Mais si tu veux mon avis, Nandi, je ne pense pas que ce soit le moment de la convaincre. Tu dois lui faire savoir que tu es sérieux. Je t'en prie. Est-ce que c'est ton idée ou une blague? Je ne trouve pas ça drôle, Nandi. Je ne plaisante pas, Uzuma. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je veux un enfant. Et puisque tu es si obsédé par ton travail, je suggère qu'on trouve une autre solution. Ok, mais désolé de dire... Mais tu ne me laisses pas le choix. Je ne veux pas d'une mère porteuse, mais je veux un enfant. Tu es trop prise par ton travail est si important. Donc si tu peux pas, alors je dirai à Ada de nous aider à trouver une mère porteuse. C'est son idée, n'est-ce pas? Ça, quoi? C'est une idée de ta sœur. Hey, j'ai toujours su que c'était une pute, mais de là à faire tout son possible pour saboter mon mariage. Ha! Ne t'avise pas de parler de ma sœur comme ça. Sinon quoi? Ne t'avise plus de le faire. C'est une diablesse. Tu veux me gifler? Tu veux me battre à cause d'elle? Ada est une diablesse. Tu es oublié qui est le diable dans cette maison. Tu es ton propre démon. Tu es celle qui détruit ton propre foyer. Tu es celle qui ne se soucie pas de sa famille. Tu n'en as même rien à cirer de fonder une famille et tu parles de Dada. Laisse Ada. Tu es ton propre problème. Tout ce que tu fais, c'est de penser à ton travail. C'est tout ce qui compte pour toi. T'es égoïste et aussi têtu. C'est toi l'égoïste. Comment peux-tu vouloir que je sacrifie tout ce pour quoi j'ai travaillé? Écoute, je n'ai pas grandi et reçu un héritage, d'accord? Mais toi, oui. Oui. Tout ce que j'ai dans cette vie, je me suis battue pour l'avoir. Ouais. Donc, ne dis pas ça, ce n'est pas juste. Oui, j'ai reçu un héritage. Et malgré ça, je travaille tous les jours pour garder ce patrimoine, pour m'assurer qu'il se développe. C'est ce que je fais. Et pourtant, je connais la différence entre la famille et le travail. Et je donne la priorité à ma famille. Je te donne la priorité.
Mais toi, non! Parce que ton travail est tôt pour toi, tu es si obsédé par ton travail! Je pense que tu devrais te marier à ton travail, signer un contrat avec ton travail. Entrez. Grand frère, je voulais te dire que le repas est prêt. Où est ta sœur? Elle est sortie et n'est pas encore entrée. Ok. Je n'ai pas faim. Hey, grand frère. Désolé, oh. J'espère que tu n'es pas fâché par ce qu'a dit ma sœur. Non, je sais bien, c'est juste que je n'ai pas faim, c'est tout. Hey, ben, je suis si désolée. Je sais que ma sœur peut être très capricieuse. S'il te plaît, pardonne-lui. Essaie de manger quelque chose, s'il te plaît. J'ai fait ton plat préféré, oh, et gosier est bas. Ok. Merci pour le repas. Je te suis reconnaissant et merci de t'en soucier. Je t'en prie. Je descendrai tout à l'heure. Je viendrai manger. Ok. À tout à l'heure. D'accord. Salut chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, c'est Izzy. Vous savez ce qu'on va faire ici, nous allons parler de la vie de star, de maquillage, de tous les styles. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Tout d'abord, je vais vous apprendre à faire un bon maquillage. Avec juste 5 produits de maquillage. Premièrement, nettoyer son visage. Ensuite, on applique notre graton. Aussi, nous avons... Oh, fais chier! Oh, laisse-moi t'aider. Oh, je dois... Hey, c'est bon. Oh, désolé Merci. Pour l'interruption, je vais juste m'asseoir là. Tu peux placer tes produits comme tu le souhaites. Arrange-les bien, comme ça je te les passerai. D'accord ? Merci, ouais. Lequel est le premier ? Comment tu veux qu'il soit ? J'utiliserai celui-ci d'abord. Et quel est le prochain ? Celui-là. Et après ça ? Et... Ouais, je vais prendre ceci. Ouais, celui-là. Ouais. Et celui-ci ? Ok. Celui-ci. Ok, ouais. D'accord, bien. Et ceci. Parfait, je vais te les donner. Ok. Tout va bien ? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, on y va. Ok. Salut, chers abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. C'est votre Izzy. Et vous savez ce qu'on fait ici? Nous allons parler de mode, de maquillage, de tout ce qui est glamour. Mon pote, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles du job que j'ai eu, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait un contenu pour ça aujourd'hui. C'était tellement stressant. Quoi? Devine quoi? J'ai eu un peu d'aide. Ai-je dit un peu? C'était si grand. Le mari de ma grande sœur m'a aidée. Il l'a fait? Ouais. Attends, pourquoi est-il à la maison? Il est censé être au travail. En fait, il a pris 2 semaines de congé pour se reposer. Et il est à la maison depuis. Oh, ouais. Je comprends. Mais même ça, qu'a-t-il de particulier qui fasse en sorte que tu le félicites autant? En fait, quand j'ai commencé la vidéo, c'était si chaotique que j'ai eu besoin de beaucoup d'aide. Et devine quoi? Il est entré et il m'a aidé. Mon Dieu! Ce type est si gentil, Justin. Attends un peu. Donc, honnêtement, je rêve souvent de lui. Oubliant que c'est le mari de ma grande sœur. Jeune fille,
Réveille-toi. C'est le mari de ta sœur. Je sais. Mais les sentiments que j'ai deviennent de plus en plus profonds à chaque fois. Et de ce que je sais, ma grande-sœur ne l'apprécie même pas. Izzy, tu dois vraiment arrêter cette stupide pensée que tu as. Ça devient vraiment sérieux là. Arrête. Je vais essayer. Je ne te promets rien, mais je l'apprécie vraiment. Il faut que tu arrêtes. Izzy, la sauce, c'est presque prêt. Oh mon Dieu. Izzyoma, viens ici tout de suite. Comment peux-tu brûler toute une marmite de sauce? Désolée, grande sœur, je voulais nettoyer. Tu as toujours trouvé des excuses pour ton comportement absurde dans cette maison. Oh, je suis désolée. Quel est le problème? Elle a brûlé une autre marmite de sauce. Allez. Encore. Et j'avais l'intention de la servir à notre invité. C'est bon, chérie, ça va. Mais si on faisait simplement une autre sauce, d'accord? C'est pas grave, bébé. D'accord. Tu peux verser celle-ci. Tu dois aller au marché. Oui, j'ai besoin d'ingrédients frais. Et nous devons refaire cette sauce. Mais je nettoie encore le salon. Ta sœur va s'en occuper. Va juste t'habiller. Je vais chez le coiffeur. Je te déposerai en chemin. Allez, va t'habiller. Ok. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Je vais te libérer du stress, d'accord? Izzy, non, non. Écoute. Oh, putain. Izzy, attends une seconde. Non. Juste une fois. S'il te plaît. Izzy, ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Izzy... Merci de me déposer à mon travail, bébé. C'est un plaisir. Et voilà, nous y sommes. Ok. Oh, oh, fais attention. Ouais, toi aussi. Oui. Ouais, j'ai compris. Bébé, je sais que ces derniers mois ont été un peu difficiles. Mais ça se termine aujourd'hui. Ok. À plus tard. Et chérie, je veux que tu saches que je t'aime énormément. Et je veux que tu obtiennes tout ce que ton cœur désire. Merci. Je veux que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Merci, mon amour. Merci beaucoup, mon amour. Merci, chérie. Je t'aime. À ce soir. À ce soir. Passe une bonne journée. Toi de même. Ah. Ok. À plus. Je me précipite au bureau. Izzyoma, ça nous donne un peu plus de temps pour nous amuser. À la nouvelle partenaire de la ville.
Santé. À la tienne. Mais bébé, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Oh. Mmh. À un nouveau départ. À la famille et au nouveau départ. À la tienne. À la tienne. Mmh. Oh. Oh, ah, bon sang, c'est l'alcool. Ce n'est pas grave. Je te préfère ivre. Vas-y. Eh bien, j'espère que tu as apprécié le repas. Ouais, c'était très bon. J'ai un plan. J'ai quelque chose que je veux que tu... Non. Izzy. Hey. Oui, grande sœur. Izzyoma. Ah, ah. Tu es toujours fatiguée et tu dors ces derniers temps. S'il te plaît, aide-moi à débarrasser la table. J'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête. T'as pris quelque chose? Oui, je l'ai fait. Merci. Très bien. Je sais. Ah. Allez, debout. Non. Quoi donc? Non. Je te préfère ainsi. Non. Oui, chérie. Je pense que j'ai... Très fleck. J'ai beaucoup trop bu. Oui. Je pense que j'ai... Mais allez, laisse-moi t'emmener au lit. Beaucoup trop bu, chérie. Laisse-moi t'emmener. Désolée. Izzy, est-ce que tu pleures? Non. Qu'est-ce qu'il y a? La maison te manque? La maison te manque, n'est-ce pas? Oh, chérie, je suis désolée, hein? Mais tu n'aimes pas être ici. Je m'y plais bien, mais c'est juste que tu ne me laisses pas sortir. Izzyoma, j'essaie juste de te protéger des mauvaises choses de ce monde. Hein? Je comprends vraiment. Grande sœur, je voudrais te demander une faveur. Je t'écoute. Je serai heureuse si tu dis oui. Ok, alors, je voudrais faire une vidéo pour m'exercer. Et c'est avec le maquillage que mon oncle m'a acheté. Ça ne dérange pas, et je voudrais aussi aller chez mon ami. Izzy, est-ce que tu peux la croire? Chérie, on parle d'un individu, elle est déjà adulte. Elle a le droit de choisir ce qu'elle juge important pour elle. Pas juste les choses que tu veux qu'elle fasse parce que tu es indisponible à cause de ton travail. Mais je suis là, non? Je suis juste là. Ouais, t'es ici, là, tout de suite, mais... Mais pourquoi continues-tu à parler de travail? Ouais, parce que t'es là, maintenant. Mais dès que ton bureau appellera, tu laisseras tout tomber. Tout ce que tu fais dans cette maison, y compris moi. Et tu vas courir à ton bureau. Ah, Nam, je ne comprends pas. C'est vrai? Je ne comprends pas. Comment peux-tu essayer de me faire me sentir mal alors que tu fais exactement la même chose? Je ne fais en aucun cas la même chose, bébé. Je fais très bien la part des choses entre la famille et le travail. Et je m'en tiens à cela. Bien. Si tu le dis. Ouais, je le dis. Mais une question, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu défends Izzy? Je ne défends pas Izzy. Izzy est ta sœur, c'est une bonne fille. Et il s'agit de son bonheur, c'est un être humain. Elle nous a dit qu'elle voulait faire une formation de maquillage. Nous l'avons ignorée. Mais heureusement, Ada connaît quelqu'un qui veut un créateur de contenu pour sa marque de maquillage. Alors, c'est ce qu'elle fait maintenant. Tout ça m'a l'air un peu louche. Pourquoi irais-tu parler à Ada? Pour aider ma propre sœur que j'ai emmenée vivre avec moi. Tu sais déjà que ta sœur pense le pire de moi. Et tout ceci ne fait que le confirmer. Mon cœur. Tu sais quoi? Je serai en retard au travail. Il faut que j'aille prendre une douche. Et me préparer pour le travail, ok? Je ne veux pas qu'on se dispute ce matin. De plus, on a passé une nuit fantastique. Je ne tiens pas à gâcher tout cela avec une dispute. D'accord? D'accord? Mais Ada ne pense pas le pire de toi. Elle t'aime. Oui. Et puisque tu ne vas pas au travail aujourd'hui, tu peux profiter de ta grasse matinée, ok? Tu as
as dit que tu ne travaillais pas aujourd'hui, que je reste à la maison. Ah, Ada me cherche dans cette maison. Ah. Izzy? Oui, grande sœur. S'il te plaît, j'ai une liste de courses que je voudrais que tu fasses. D'accord. Quand tu auras fini, tu pourras faire toutes tes... Ouais, oh. Tes vidéos. Vraiment? Merci. Pourrais-je prendre tes perruques? Comme si tu ne les prends pas déjà. Toi. Allez, s'il te plaît, sans fais-le. Sans problème, je le merci. Ferai. Coucou, grande sœur. Je suis prête à partir. Ok. Pas de problème. Merci pour cette opportunité. Je t'en prie. Mais j'ai une question à te poser. Ok. Où as-tu eu ça? Je l'ai pris dans ta chambre. J'ai remarqué que tu ne la portais pas, alors je l'ai pris. Et tu n'as pas pensé qu'il serait juste de demander ma permission? Je suis désolée. C'est un cadeau de mon mari. Je suis désolée. Mais où as-tu eu ceci? C'est quand... Quand je suis allée à la pharmacie, je les ai vus et j'ai décidé de les acheter pour essayer. Pour le test étudie, Izzy, est-ce que tu les prends? Ce sont des pilules contraceptives. Est-ce que tu as un petit ami? Non, grande sœur, je n'en ai pas. Est-ce lui qui te les a donnés? Non! Izioma! 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 Tu ferais mieux de dire la vérité. As-tu des relations avec des hommes? Oh, grande sœur. Tu as besoin de quelque chose? Non. Mais je voudrais te poser quelques questions. Ok, quelles questions? Ne t'inquiète pas pour ça pour l'instant. Avant ça, tu iras là-dedans pour faire quelque chose. Ok. Entre là, pisse dessus et ramène-le-moi. Qu'est-ce que c'est, grande sœur? Vas-tu arrêter de me poser des questions stupides? Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Ok. Tout de suite. La porte ouverte, merci. Hmm.
Je ne suis pas surprise, vu la façon dont tu as pris du poids. Tu es enceinte. Hey. Es-tu sourde? Je demande, qui t'a touchée? Quel homme, Isioma? Donc tu veux dire qu'avec tout ce que j'ai fait pour essayer de te protéger, tu as quand même trouvé un moyen d'écarter tes jambes? Isioma! Dis-moi qui est le responsable de cette grossesse. C'est comme ça que tu resteras haut. C'est ici que tu resteras. Tant que tu refuseras de me répondre, tu resteras à genoux là. Je suis tellement déçue de toi. J'ai vraiment cru que tu étais une fille innocente et calme. Je ne savais pas que tu avais des vues sur les hommes. Que vais-je dire à papa et à maman par rapport à tout ça? Isioma, dis-moi qui est l'homme qui est responsable de ça. Tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Alors, ma chère, tu vas rester là. Reste là! Dis-moi, est-ce ce petit garçon qui est venu te voir quand tu ne te sentais pas bien? Isioma! Est-ce ce petit, ce garçon qui vient te voir dans cette maison? Hein? Oh, oh. Qu'est-ce que Isioma a encore fait cette fois-ci? Nam, bienvenue à la maison. Ça, c'est la meilleure. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment déçue et j'ai vraiment honte. Et le fait de la punir ainsi, est-ce que ça change quelque chose? Isioma s'est mise à batifoler avec des hommes quand nous la laissons seule dans cette maison. Quoi? Isioma? C'est vrai? Non. Tais-toi, ferme ta sale gueule. Bien sûr que c'est vrai. Si tu ne couches pas partout, comment se fait-il que tu sois enceinte? Enceinte? Ah. Isioma? T'es enceinte? C'est vrai, regarde. Je le lui ai fait faire moi-même. Alors, quand on n'était pas là, tu avais des relations avec des hommes dans cette maison. Qui est le responsable de cette grossesse? Chérie, écoute. Je voudrais que tu te calmes, ok? Hein? Calme-toi, ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état. Tu te rappelles de cet hôtel dont je t'ai parlé? Celui dont je t'ai dit qu'il a une très belle piscine. Je viens de nous réserver un week-end dans cet hôtel. Donc, je voudrais que tu te calmes. On s'occupera du cas d'Isioma plus tard. Non, pas maintenant, Nam. Il faut que j'aille au bout de ce problème particulier. Chérie. Qui est le responsable? Chérie. Dis-moi qui est le responsable de cette grossesse. Isioma. S'il te plaît, chérie. Tu ferais mieux d'ouvrir ta bouche et me dire qui t'a mise enceinte. Mon cœur. Je suis fatiguée. Je vais te donner une bonne gifle. Non, qu'est-ce que je dirais à ma mère? Oh, on trouvera un moyen de lui en parler. Je parlerai à Isioma. Ne bouge pas de là. C'est bon, hein? J'ai dit, ne bouge pas de là. Jusqu'à ce que tu sois prête à parler, Isioma. Mon cœur, calme-toi. Ne bouge pas de là. Je jure. C'est bon, calme-toi. Désolée, je ne voulais pas réagir de la sorte. Écoute, je ne comprends juste pas comment Isioma a pu se mettre dans cette situation. Ça va aller, chérie. Je ne tiens pas à ce que ton stress augmente à cause de cette histoire avec Isioma. Ce qui est fait est déjà fait. Nous devons juste trouver un moyen de résoudre tout ça. Oui, je pense que tu as raison. Bébé, j'ai regardé les photos de cet hôtel en ligne. Ça a l'air très beau. Ouais, c'est un très bel endroit. Je voudrais juste qu'on fasse une pause, tu sais. Même si c'est juste pour un week-end, ça me va.
On en a besoin. Ouais, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est très gentil de ta part. Je t'en prie. Je suis ravi que ça te plaise. Ça signifie beaucoup pour moi. Tout va bien? Ouais, tout va bien. D'accord. Nous ne sommes pas venus ici pour travailler, n'est-ce pas? Désolé, j'aurai bientôt fini. Hmm? J'ai dit que j'aurai bientôt fini. Arrête. Tu sais, tu agis vraiment bizarrement ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a? Nam, c'est quoi le problème? Ozoma. Ce que je m'apprête à te dire va vraiment te choquer. Que veux-tu dire par là? Écoute. Je veux le divorce. Je ne peux plus supporter cette situation. Écoute, si c'est pour que je démissionne... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vrai que tu aurais dû faire ça il y a longtemps déjà, peut-être. Si tu avais quitté ton travail, peut-être tu aurais... Juste pour un petit moment. Pris un peu de temps pour nous. Je ne me serais pas fourré dans ce putain de merdier. Quel pétrin. Je ne pense pas avoir compris. Quel pétrin. Écoute, c'est trop tard, bébé. J'ai vraiment foutu la merde et il n'y a aucun moyen de retour possible. Qu'est-ce que tu as fait? J'essaie de faire ce qui est juste. D'accord? Pour qui? Ce qui est juste pour qui? Pour toi? Parle-moi! Ici, Omar. Ici, nous sommes de retour. Bienvenue. Ah. C'est moi que tu salues de la sorte. Ici, es-tu sûr que tout va bien dans ta tête actuellement? Mon ami, écoute, va juste porter mes sacs. Monte-les et reviens ici tout de suite. Va les chercher toi-même. Hein? Qu'as-tu dit? J'ai dit, va les chercher toi-même. Je ne suis pas ton esclave. Et Sioma, c'est à moi que tu parles ainsi? Oui. Tu es folle. Je vais la fermer, cette bouche. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, si tu entends la grossièreté avec laquelle cette fille me parle, si impoliment. Sioma, es-tu folle? Qu'est-ce qui te donne l'audace de me parler de la sorte? Chérie. Tu veux savoir qui m'a donné cette audace? Je veux savoir. Laisse-moi dire à cette majesté royale ce qui donne le droit et l'audace à son esclave de lui répondre ainsi. Peux-tu... Attends. Que diable se passe-t-il? Je ne sais pas, chez... Nam, que se passe-t-il? Ozoma, tu veux savoir pourquoi est-ce que j'agis ainsi, n'est-ce pas? Ici, vas-tu te taire? Vas-tu te taire? Ici, je suis enceinte de ton mari, chose que tu n'as pas pu faire. C'est... Mais regardez-la. Tu veux salir l'image de mon mari, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu blagues, c'est ça? Chérie, peux-tu imaginer? Chérie, je... Oui, quoi? Ok, calme-toi.
Nam, dis-moi que c'est un mensonge. Respire. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as fait? Zéry, calme-toi. Oh, mon Dieu. Hey! Seigneur. Toi, retourne dans ta chambre. Lâche-moi. Elle doit dans savoir. Dans ta chambre. Non, ne me touche pas. Tu as brisé nos vœux. Chérie. Avec ma sœur. Chérie. C'était une erreur. Écoute, c'est juste arrivé. Oh, Seigneur. Tu m'avais laissé. Tu étais trop occupé pour moi. Tu étais occupé par ton travail et tout le reste. Je n'en sais rien. J'étais toujours avec... Ne te trouve pas d'excuses. D'accord. Namdi. Ouais. C'est ce que tu as fait. Non. C'est ce que tu as fait. Bébé, s'il te plaît. Il faut que tu t'arrêtes un instant et que tu m'écoutes. Écoute-moi, bébé. Bébé, parlons-en. Parler de quoi? Je voudrais juste... Qui a mis enceinte ma petite sœur? Chérie, ce que tu fais maintenant ne fait qu'empirer les choses. Si tu fais tes valises et que tu quittes la maison, ça ne sera pas bon pour nous, ça ne sera pas du tout bon. Pour toi ou pour moi? Hein? Écoute, je t'ai laissé haut. Tu peux simplement te faire plaisir avec cette fille de bas étage qui se fait appeler ma sœur. Chérie, non, ne dis pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît, c'était une erreur. C'est juste arrivé, c'est pas comme si on l'avait planifié. Essaie de comprendre, bébé. Ne m'appelle pas et ne me cherche pas. Chérie, nous pouvons parler de tout ça. J'ai besoin d'espace. On peut parler de tout ça. On peut trouver une solution, je te l'assure. Ozoma, je suis certain qu'on peut résoudre ce problème, juste tous les deux. Oh Seigneur, je suis enceinte de ton mari, chose que tu n'as pas pu faire. Tu n'as pas pu faire. Namdi. Pourquoi? Namdi, pourquoi? Namdi, connaissant Ozo, elle est probablement dans un hôtel. Je pense que tu devrais la laisser se calmer. Mon pote. Qu'en penses-tu? Oui, je le pense. Je le pense aussi, mais... Je suis désolé de te le demander, mais je veux juste comprendre. As-tu vraiment mis sa sœur enceinte? Ce n'est pas de la faute d'Isioma. Elle a juste eu le big un pour moi et j'en ai un peu profité. Et oui, elle est enceinte. Je savais que c'était mal, mais... c'était fou, mais je ne pouvais pas la laisser se faire avorter. Je ne pouvais pas. Mais es-tu certain que c'est ton bébé? Oui, c'est bien et bien mon enfant. Elle était tout le temps à la maison, elle n'allait nulle part. Ozoma ne la laissait jamais quitter la maison, elle était toujours enfermée à la maison. Le fait est que, je dois le reconnaître, tu as bien fait de ne pas la laisser avorter. Parce que si c'est vraiment ta semence alors, tu as vraiment besoin de ce bébé. Tu sais, mais demander le divorce est une mauvaise idée. Je veux dire, Ozo n'a pas un poste à négliger. Si tu fais pression sur elle pour qu'elle divorce, elle pourrait le retourner en sa faveur et l'exposer aux yeux du monde. Un vrai scandale. Ozoma ne le fera pas.
Elle n'est pas capable de faire un truc comme ça. Je ne pense pas qu'elle soit capable de ça. L'enfer n'a aucune comme pitié, la connivence d'une femme. Comme la connivence d'une femme. Écoute, ta sœur a en fait raison. Elle a raison à propos de l'argent. Mais je pense que si vous gérez bien cette situation, vous pouvez bien vous en sortir. Vous pouvez toujours bien vous en sortir, mais tu dois être vigilant de la façon dont tu t'y prends. Je veux dire, fais quelque chose. Fais quelque chose. Eh bien... Ozo. Je sais que mon frère t'a blessé. Mais pense à l'amour que vous avez partagé. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Alors, maintenant, tu réalises que je l'aime. Ozo, peu importe si je l'ai réalisé avant ou maintenant. Je veux dire, tu as fait de mon frère une meilleure personne. Et je ne peux pas vous laisser abandonner ce que vous aviez partagé à cause de quoi? Quelques erreurs stupides? Non. Erreurs stupides? Ada, tu... Ton frère a mis ma petite sœur enceinte. Ozo, tu peux maintenant avoir le bébé que tu as toujours voulu avoir. Ne le vois-tu pas? C'est complètement fou, Ada. Je ne prendrai jamais... Attends, qu'est-ce que tu suggères exactement? Peux-tu d'abord m'écouter, s'il te plaît? Tu sais, j'ai fait la rencontre de ta petite sœur pendant le dîner. Et je sais qu'elle a envie d'étudier au Royaume-Uni, ou aux États-Unis et même au Canada. Donc, elle peut avoir le bébé? Et Namdi et toi, adopter le bébé pendant qu'il poursuit sa vie. Essaye d'y penser. Ah, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir, Ada, qu'en m'appelant aujourd'hui, faisant semblant d'être une personne normale, que tu aurais une... idée aussi mesquine qu'idiote à apporter. Peux-tu t'entendre parler? Ozo, peux-tu te calmer, s'il te plaît? Non! Peux-tu t'entendre parler? Tu es en train de crier. Oui, je vais crier, car je veux que le monde entier entende l'idée stupide que tu as. C'est pour ça que j'ai dit à Namdi d'arrêter de prendre conseil auprès de toi. Mm-mm. Je l'avais prévenu que cela gâcherait notre mariage. Maintenant, regarde, madame la conseillère, est-ce ton conseil? Ozo, Dieu m'est témoin, tout ce que j'ai toujours voulu dans ton mariage n'est que le bien. Quand est-ce que j'ai interféré dans tes problèmes conjugaux? Quand? Tout le temps! Ada, tout le temps! Ok, penses-tu que... Je ne sais pas, que c'est toi qui as suggéré qu'il fasse... appel à une mère porteuse? Penses-tu que je n'ai pas vu ce que tu as fait au dîner en les reliant tous les deux pour qu'ils dansent? Ozo, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu sais quoi? Tu peux blâmer tout le monde, je m'en fiche. Mais sache que c'est aussi de ta faute. Je veux dire, tu as emmené une fille dans ton propre foyer. Et qu'as-tu fait? Tu as négligé ton mari au point où il a trouvé du réconfort dans les bras d'une autre. Et tu t'attendais à quoi? Réponds-moi. Je ne sais pas, Ada. Peut-être que je m'attendais à ce qu'il se comporte en adulte, qu'il utilise son cerveau et non ses organes génitaux. Peut-être. Et tu ne penses pas que ta sœur a été une tentatrice qui l'a poussée évidemment à la tentation? Tu ne le crois pas? Ada, attends. Ce n'est pas entre toi et moi. Je ne fais pas ce va-et-vient avec toi. Peux-tu t'en aller?
Excuse-moi. Oui, tout de suite. S'il te plaît. Parce que je suis venue ici pour me défaire de mes émotions et pour prendre un peu de recul par rapport à la situation. Je devrais partir, Ozo. Bien. Mais avant de partir, eh bien, sache que tu devrais bien gérer la situation. Et si tu ne le fais pas, tu ne ruineras pas non seulement ton mari, mais tu traîneras également ton nom dans la boue. Et devine quoi? Le monde te reprochera d'avoir négligé ton mari et ton foyer. Devine encore? Même ce poste que tu occupes à ton bureau pourrait être retiré. Et si tu permets à ta sœur de faire ce qu'elle veut, tu ne ruineras pas non seulement ton mari, mais tu gâcheras aussi ton mariage. Je sais que c'est une situation difficile pour n'importe quelle femme. Mais je veux que tu y réfléchisses avec ta tête et non avec tes émotions. Excuse-moi. Alors, comme ça, elle t'a finalement donné la chance de me parler. Arrête ça, d'accord? Arrête ça. Izzy, écoute. Ce n'est vraiment pas le moment de faire une petite jalousie, ok? J'ai quelque chose d'important à te dire. Voudrais-tu t'installer à l'étranger et terminer tes études? Et qu'est-ce qui arrivera à mon enfant? Nous adopterons l'enfant. Et l'élèveront comme le nôtre. Et tu seras libre de vivre ta vie comme bon te semblera. Qu'est-ce qui est arrivé à Izzy, je t'aime? Qu'est-il arrivé à Izzy, j'aurais aimé te rencontrer avant ma femme? Qu'est-il arrivé à toutes ces promesses? Écoute. Je veux que tu comprennes que ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Une erreur? Tu dis une erreur? N'as-tu pas pensé à ça avant de me toucher? C'est toi qui es venu vers moi. Tu as vu que j'étais vulnérable et tu m'as séduit. Tu le sais. Ne rendons pas les choses pires qu'elles ne le sont déjà. Izzy, tu n'es même pas prête à devenir mère. Tu n'es pas prête pour la maternité. Tu as même voulu te débarrasser de cette grossesse toi-même. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je le garde. Oui, et personne ne va séparer la mère et l'enfant. Alors que vas-tu dire à tes parents? Parce qu'il ne faut pas t'attendre à ce que je leur dise que l'enfant est le mien. Vas-tu renier ton enfant? Tu ne me donnes pas d'autre choix. Ou que veux-tu que je fasse? Que je me place devant tes parents et que je leur dise que c'est moi qui suis responsable de ta grossesse? Ils vont penser que je suis un monstre. Tu ne l'es pas. Un homme qui complote avec sa femme pour voler un enfant de sa mère, c'est un monstre.
J'aimerais ne jamais être venue dans cette maison. J'aimerais ne être jamais tombée amoureuse de toi. Namdi, dans quel pétrin est-ce que tu t'es fourré? Bébé, chérie, je t'ai apporté le dîner. Je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas faim. Chérie, je sais que tu es très en colère à propos de ce qui s'est passé. Chérie, comme Adal a dit, ne laissons pas cette stupide erreur de ma part ruiner tout ce qu'on a déjà construit. Mais tu as également ta part de responsabilité. Je veux dire, je t'ai supplié pendant des mois qu'on fonde une famille comme on l'avait prévu. Mais tu n'as pas voulu. Tu as pensé que devenir partenaire dans ton entreprise était plus important que fonder une famille. Cela ne te donne pas le droit. Non, pas du tout. Elle a 19 ans, ce n'est que bébé. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère ou à mon père? Cette histoire va juste déchirer toute la famille. Tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. On pourrait parler à Izzy. On peut parler à Izzy et voir si on peut garder le secret. Avec ce plan, celui auquel on a pensé. Et tout pourra bien se... Avec ce démon, je ne voudrais plus jamais voir le visage de ce démon. Elle a été envoyée chez moi pour détruire mon mariage. T'a-t-elle dit de me demander le divorce? Dis-moi la vérité. T'a-t-elle dit de me demander le divorce? Oui. Depuis combien de temps sais-tu pour la grossesse? Depuis un moment. Je veux dire, je ne voulais pas t'en parler. Je veux dire, je ne voulais pas te comparer. T'étais en train de te battre pour devenir partenaire. T'as travaillé tellement dur. Je ne pouvais pas te le dire. Tu ne pouvais pas me dire. Mais tu voulais son bébé. Chérie, tu sais bien que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Et quand je l'ai appris, j'étais... effrayée, je ne savais pas quoi faire à cause de toi, à cause de tout l'amour que j'ai pour toi. Et je ne voulais absolument pas te blesser. Je savais que cette nouvelle pouvait te détruire. Alors j'ai essayé, tant bien que mal, de me retenir. Je suis aussi désolée. Et je m'en veux énormément. Pour tout ça. Peut-être que si je n'étais pas si préoccupée, j'aurais pu voir toutes ces choses qui se passaient juste sous mon nez. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas emmené Izzy ici. Peut-être que les choses auraient pu être différentes. Ouais. J'aurais aussi aimé qu'elle ne soit jamais venue. Qu'elle ne soit jamais venue dans cette maison. C'est donc ce qui s'est passé, tu n'as pas jugé m'en informer. Au moins pour notre amitié. C'est donc pour cette raison que tu m'as ignoré pendant tout ce temps. Mes appels, mes textos, tu n'as pu répondre à aucun d'entre eux. Justin, je suis désolée. Il s'est passé tellement de choses que je ne saurais pas comment le dire à quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle tu devrais m'en informer.
Je veux dire, c'est une période où tu as vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. Quoi qu'il en soit, que disait-il à ce sujet? Eh bien, ils veulent que j'abandonne l'enfant et que je parte à l'étranger. Genre, j'ai abandonné tout ce que j'ai. Tu sais quoi? D'un autre côté, je pense que tu devrais accepter l'offre. Genre, tu pars à l'étranger, tu débutes une nouvelle vie. En fait, la maternité n'est pas chose facile. Es-tu sûre d'être prête pour ça? Non, pas la peine de demander, tu n'es pas prête pour ça. Justin, tu ne comprends pas. Je suis amoureuse de ce mec. Oh mon Dieu. Écoute, c'est le seul avec qui j'ai été. Il est doux, attentionné. Écoute, il est même beau et riche. Je ne peux pas y renoncer. Je m'en fiche de ce que pense ma grande sœur. Je m'en fiche. Je me moque de ce qu'elle pense. Elle ne le mérite pas. Écoute, Izuma, pense-y. Ce n'est pas juste ni sur aucune planète. Oh. Ah, pour l'amour du ciel, il s'agit du mari légitime de ta sœur. Et avec la façon dont tu parles d'elle, je ne pense pas qu'elle soit prête à quitter son mari pour toi. Mm-hmm. Réfléchis-y. Quand j'en aurai fini avec eux, ils n'auront pas le choix. Tu dois te sentir très intelligente en ce moment. Tu penses que je ne connais pas ton plan d'enlever mon enfant et de prétendre que c'est le tien? Ezioma, ça va bien chez toi? Tu devrais te poser la question. Depuis que tu m'as amenée dans cette maison, tout ce que tu as pu faire, c'est de m'asservir au point de me menacer de me battre. Cependant, je suis restée respectueuse parce que tu es ma sœur. Ah, mais cette fois-ci, je vais te mener la vie dure. Si tu essaies quoi que ce soit, tu devras d'abord me tuer avant d'emmener cet enfant loin de moi. Espèce de stérile sorcière. Que se passe-t-il ici? Je lui disais ce que je pense. As-tu perdu la tête? Non, je vais bien. Mais je tiens à vous dire tous les deux, si quelque chose arrive à mon enfant, si vous essayez d'éloigner mon enfant de moi... Comment oses-tu nous parler d'une manière aussi irrespectueuse? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne cloche chez moi. Mais si vous essayez tous les deux de m'enlever mon enfant, j'exposerai cette histoire sur les blogs. Je vais la dénoncer sur tout et je veillerai à ce que vous soyez détruits. Dégagez d'ici! Sors d'ici avant que je ne perde mon sang-froid! Ma chérie, je n'irai nulle part. En tant que mère de l'enfant de Nandi, je mérite de vivre dans cette maison et c'est mon droit, ok? Tu vas la fermer, toi, qu'est-ce qui ne va pas, bon sang? Rien du tout! Retourne dans ta chambre, ok? Non! Écoute, tu dois lui accorder le divorce, d'accord? Il ne t'aime pas! Retourne dans ta chambre! Il ne t'aime pas! Laisse-moi tranquille! Va dans ta chambre! Chérie, calme. Ne me touche pas! Chérie. Ne me touche pas. Il sait même pas de me toucher. Chérie. Oh, merde. Chérie, je n'arrive plus à comprendre ici. Comment est-ce qu'elle a pu passer d'une attitude si agréable à ça? Pourquoi ce changement? Eh bien, depuis qu'elle a commencé à partager mon mari, à quoi t'attendais-tu? Tu sais, c'est tellement fou parce que cette fille est pratiquement née dans mes mains. Je l'ai élevée. J'ai payé ses études, sa scolarité. J'ai subvenu à ses besoins. Je l'ai emmenée chez moi et c'est de cette façon qu'elle me remercie. Chérie, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Nous? Mmh. Mais c'est toi qui mets les gens enceintes, Nam. Chérie. Ah, je sais que je t'ai trahi. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Hein? J'ai vraiment besoin qu'on soit solidaires. Comme une équipe pour traverser ça. Parce que...
Tu sais, si jamais tes patrons venaient à la prendre. Hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons rester unis. Nous allons nous battre ensemble parce que je sais qu'ensemble nous pouvons avancer avec plus de force. Chérie. Tu sais, tu as brisé, tu as complètement brisé notre confiance. Et ça prendra peut-être du temps pour la reconstruire, mais je pense que tu as peut-être raison. On ne peut pas laisser Izzy entrer et détruire le foyer dans lequel nous avons passé tant d'années à construire. Exactement. Chérie, et si jamais elle nous menaçait de tout dire à tes parents? La nouvelle se répandrait très facilement. Nous serions dans pétrin. Ils ne la croiront pas. Que vas-tu leur dire? Ah, que veux-tu que je leur dise? Qu'elle a fricoté avec des garçons et elle est tombée enceinte. Et si elle mentionnait mon nom? Je le nierai. Et toi aussi, tu le nieras. Ce sera sa parole contre la mienne. Mais je lui envoyais tout le temps tout plein de messages. Chérie, j'étais vraiment seule. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Tu n'étais jamais disponible pour moi. Bien. J'irai lui parler et je prendrai son téléphone et j'effacerai tout. Et alors, ce sera sa parole contre la mienne. Oh, mon amour. Merci. Merci de rester à mes côtés. J'ai fait une très grosse erreur et je n'aurais jamais dû la commettre. Je suis désolée de t'avoir blessée comme ça. Je te promets de me rattraper. Je te jure que je vais me rattraper. Hein? Oh, Dieu du ciel. Je compte bien me rattraper, je te le jure, bébé. Hmm? Hmm? Bon sang. Je suis désolée. Où est-ce que tu vas? Tu sais, dire que je suis déçue de toi serait un euphémisme. Je n'avais aucune idée que tu voulais être ce petit serpent vert pour entrer dans ma maison et la détruire. En couchant avec mon mari dans mon dos. Tu ne l'as jamais apprécié. Tais-toi, idiote, avant que je te donne une sale gifle. C'est quoi ton problème? En quoi ça te concerne? C'est moi qui te nourris. C'est moi qui t'habille. C'est moi qui t'éduque. Et c'est comme ça que tu me remercies. Hein? Alors, où vas-tu maintenant? Hein? Au village? Avec cette charge. Cette charge que tu portes. Tu la ramèneras. Tu ne tiens même pas compte de l'humiliation publique et du déshonneur que tu vas apporter à toute cette famille avec ce que tu veux faire. Hein? Même ton enfant n'en sera pas fier. Il ne pourra même pas revendiquer ses parents. Comment vas-tu lui expliquer que son père est le mari de ta sœur? Espèce d'idiote, tu as écarté tes jambes. Waouh, grandement pour lui. Ne sais-tu pas que les hommes diront n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent? Et as-tu même pensé à papa? As-tu pensé à ce que ressentirait ton père? Izzyoma, dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est une abomination. Tu seras chassée du village. Tu seras chassée et mise au rébut. Alors, tu seras sans éducation, sans argent, sans travail. Pétasse, sache que tu seras une sans-abri, dormant à la belle étoile.
et ces garçons de la rue viendront et feront des choses innommables à ton corps. Mais il se peut que tu l'apprécies. Alors, tu as vraiment pensé que tu me remplacerais, Izioma, dans ma maison. Tu veux être moi, tu veux porter mes chaussures et tu veux aussi baiser mon mari dans ma maison. Tu es vraiment folle. Tu ferais mieux de te calmer et commencer à penser à l'offre généreuse que mon mari t'a proposée. Une offre très généreuse. Tu peux aller en Angleterre ou aux États-Unis et tu peux commencer une nouvelle vie et nous laisser le bébé. Je m'occuperai de l'enfant comme si c'était le mien. Mais tu devras la fermer et tu ne pourras rien dire. Isioma, la parole n'est pas pour les sages, Isioma. Et Kwesu, avant que je n'oublie, donne ton téléphone. Non. Donne ton téléphone. Je l'ai acheté avec mon argent pendant que tu baisais mon mari dans mon dos. Allez, donne-le-moi, c'est ma propriété. Donne-le-moi. N'importe quoi. Oh mon Dieu! T'attends à ce que je te demande de bouger, c'est ça? Isioma, je sais qu'il t'est arrivé beaucoup de choses en un laps de temps. Mais je voudrais que tu mettes tout ça derrière toi. J'essaie juste d'aider. En essayant de me voler mon enfant à naître? J'ai dit que j'essayais juste de t'aider. Je l'aime. Il est si gentil et attentionné. Mais tu ne l'as jamais aimé. Non, ce n'est pas vrai. Désolée. Écoute, tu n'es pas amoureuse. C'est juste une illusion. Izzy, tu as toute la vie devant toi. Et plein d'autres occasions de retomber amoureuse. Non, je ne veux personne d'autre. Eh bien, tu ne peux pas l'avoir. C'est mon mari et je l'aime. Alors, si tu l'aimes vraiment, pourquoi lui refuses-tu la chance de connaître le bonheur? Izzy, comment oses-tu? Je vais te... Isioma! Izzy! Izzy! Namdi! Isioma! Quoi? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Thank you.
Mon bébé. Elle s'est réveillée. Elle est réveillée. Je vais appeler le médecin. Et... Ouais, mon bébé. Izzy, vraiment désolée. Il n'y a pas de bébé. Quoi? Tu as eu un accident chez moi et c'était grave. C'était vraiment grave. Quoi? Oui, en fait, ta sœur te dit la vérité. Tu es tombée. Calme-toi. Dieu merci, son mari, elle était là pour t'emmener ici. Non! Il ira bien. Non! Ça va aller, s'il te plaît, calme-toi. Non! Izzy, calme-toi. Ça va aller, désolée. Calme-toi. Ne te stresse pas. Désolée, désolée. Oh, mon Dieu! Dans mon bureau quand j'aurai fini, ok? En attendant, elle a besoin de repos, assez de repos. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Écoute, je sais que je te l'ai déjà demandé, mais... ma conscience ne me laisse pas tranquille. Es-tu sûr que c'était un accident? Penses-tu que je l'ai poussée pour qu'elle se casse la tête sur l'évier ou quoi? C'est quoi cette question? Je ne dis pas que tu l'as fait. Mais j'essaie juste de faire une reconstruction des faits. Dans ma tête, je repense sans cesse à tout ça. À quoi penses-tu? Écoute, Izioma est ma petite sœur et j'étais très en colère contre elle, mais je n'essaierai jamais de la tuer ou de lui faire du mal. D'accord. Attendons de voir le médecin. C'est vraiment un miracle que nous ayons pu sauver la mère, surtout à ce moment précis. Je suis vraiment désolé pour le bébé. Le traumatisme à la tête était assez sévère. C'est même une chance qu'elle soit en vie. Dans les cas comme celui-ci, les patients rencontrent généralement des pertes de mémoire importantes. Et dans son cas précis, le choc a été tellement violent qu'elle est tombée à l'arrière, par la tête. Attendez. Êtes-vous en train de dire qu'elle a perdu la mémoire? Pas du tout, monsieur. Elle est la seule à connaître ce dont elle se souvient. Donc, il y a une chance sur deux qu'elle puisse encore récupérer après ce choc et de retrouver la mémoire. Sur ce donc, je vous conseille de la garder auprès de sa famille. Ses proches, cela permettra qu'elle puisse se rétablir rapidement. Dans le cas de ma sœur, ce n'est peut-être pas une bonne idée, docteur. Elle a été violée et mise enceinte. Elle a enduré tant de traumatismes. Oui, docteur. Ma femme et moi faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu'elle s'installe à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. Qu'elle puisse mettre derrière elle ces terribles souvenirs. Ok. C'est une bonne idée. Mais en attendant, je vous conseille de la garder près de vous, afin de surveiller le processus de guérison. Ok? Compris. Nous allons, je ne sais pas, peut-être pourrions-nous organiser une sorte de réunion de famille. Comme ça, elle pourra revoir des visages et se souvenir des gens. Ok, ça peut être aussi une bonne idée. Nous aussi, de notre côté, nous allons continuer avec nos médicaments. Et aussi avec des séances de thérapie qui l'aideront à se rétablir, ok?
Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait pour elle. Ah, je vous en prie, c'est notre devoir. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues